Pour beaucoup d'entre nous, l'exploration de la conscience peut avoir un côté un petit peu intimidant. On ne sait pas exactement ce qu'on va trouver derrière la fenêtre de notre monde inconscient. Alors quand on parle d'état modifié de conscience, cette altération de l'état de conscience peut résonner aussi comme quelque chose d'un petit peu effrayant. Alors qu'en fait, les états modifiés de conscience, nous en vivons déjà tous les jours. Ils font déjà partie de notre quotidien et parfois même nous en vivons sans même nous en rendre compte. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir exactement ce qu'ils sont, de bien les comprendre et peut-être d'entrevoir leur intérêt thérapeutique. Pour faire simple, on pourrait dire qu'un état modifié de conscience est un état significativement différent de l'état d'éveil normal, ce qui rend implicitement nécessaire de définir ce qu'est un état d'éveil normal. Et on pourrait dire qu'un état d'éveil normal est un état subjectivement perçu comme étant normal. C'est tellement simple. Mais si on voulait approfondir, d'après le docteur Timo Thorsten-Schmidt de l'université de Berlin, en ce qui concerne la recherche neuroscientifique pour définir l'état d'éveil normal, il pourrait suffire de supposer que la plupart des gens ont une forte intuition concernant ce qu'ils perçoivent au quotidien comme étant une variation normale de l'état d'éveil. En gros, que la plupart d'entre nous savent dire ce qu'est un état d'éveil normal, de manière intuitive et totalement naturellement. Est-ce que vous êtes normal maintenant? T'es normal? Tout va bien. Il est plus habile en vérité de parler d'état altéré de conscience que d'état modifié de conscience, parce que le terme modifié laisse supposer qu'un changement voulu, désiré, maîtrisé a été effectué pour changer la constitution de l'état de l'éveil normal. Or, un état de conscience altéré peut être vécu de manière totalement spontanée, sans même que vous l'ayez décidé. Charles Tittart, une autre référence mondiale de la psychologie moderne, définit les états altérés de conscience comme un changement profond dans un modèle global des expériences subjectives. Et pour J. William Farthing, docteur en philosophie, un état altéré de conscience peut être défini comme un changement temporaire dans le schéma global de l'expérience subjective, de sorte que l'individu croit que son fonctionnement mental est nettement différent de certaines normes générales relatives à son état de conscience normal. Il existe de nombreuses définitions, et évidemment il n'y en a aucune qui fait réellement consensus. Mais ce que vous pouvez retenir à partir de là, c'est qu'un état altéré de conscience est une altération significative de l'état de conscience considéré comme normal. Et qu'a priori, lorsque vous rentrez dans un état de conscience altéré, vous devriez vous en apercevoir. Votre vigilance change, votre perception change, et vous avez plutôt tendance à vous tourner vers l'intérieur. Ensuite, il y a un autre aspect intéressant, c'est que l'état altéré de conscience est en fait limité dans le temps, ce qui permet de le distinguer avec les pathologies. Parce que si vous regardez quelqu'un qui rentre en transe, eh bien cette transe, si impressionnante soit-elle, va durer un certain temps. Mais par contre, l'instant d'après, la personne va revenir à son état normal, ce qui n'est pas le cas d'une personne folle, où là, il n'y a pas de retour à la normale. Here's Johnny. Et enfin, les états altérés de conscience sont des phénomènes multidimensionnels. Ça veut dire qu'ils peuvent modifier simultanément différentes fonctions biologiques, comme par exemple la respiration, le rythme des pulsations cardiaques, mais aussi la manière avec laquelle notre champ de conscience interprète les informations du monde réel. Nous vivons tous des états altérés de conscience dans notre vie et c'est tout à fait normal. On peut dire par exemple que lorsque nous rêvons, nous sommes dans un état altéré de conscience. Certains états vécus lors de la pratique de la méditation ou de la relaxation guidée peuvent aussi être considérés comme des états altérés de conscience. Les états d'hypnose et les états d'extase procurés par le sexe ou par l'écoute d'une musique sont des états altérés de conscience. Les expériences de mort imminente sont des états altérés de conscience, de même que la transe cognitive, les expériences psychédéliques, les expériences de sortie de corps et même l'épilepsie sont considérés comme des états altérés de conscience. Avant d'aller plus loin, il est important de relever que pour comprendre la conscience et ses altérations, la science a ses limites. Et c'est pourquoi il est nécessaire de créer un pont avec ce qu'on appelle l'expérience personnelle et la philosophie. En fait, la science est confrontée à un problème. L'ensemble de cette tentative de définir les états altérés de conscience ne se soustrait pas à cette problématique essentielle. Si l'on parle d'états de conscience, qu'ils soient normaux, modifiés ou altérés, il conviendrait de parler de la conscience elle-même. Or, les neurosciences cognitives sont fortement influencées par les approches neurologiques, pour lesquelles la conscience devrait être produite par les neurones et les cellules gliales, et constituer ce que l'on appelle un processus émergent. Autrement dit, la conscience devrait être le produit du cerveau.
Mais les neurosciences cognitives butent sur une difficulté majeure, un véritable fossé explicatif. Elles sont incapables non seulement de commencer à expliquer l'apparition de l'expérience consciente à partir d'un substrat matériel, en l'occurrence les neurones ou les cellules gliales, dont aucune propriété n'a la moindre parenté avec elles, mais plus encore, elles ne nous offrent aucune piste pour nous indiquer comment nous pourrions aborder ce problème difficile. Car si c'est un point non négligeable que d'obtenir des correspondances neuronales de la conscience, ces correspondances ne nous indiquent en rien comment la conscience survient, et encore moins pourquoi. Alors à la question pourquoi et comment la conscience est-elle produite, les sciences modernes n'ont aucune réponse. Même la psychologie cognitivo-comportementale n'a aucune piste d'exploration fiable pour répondre à ces questions. Ce qui reviendrait à dire que la conscience n'est pour le moment pas scientifiquement prouvée. Ce qui paraît absurde parce que nous en faisons tous l'expérience. Alors disons plutôt qu'elle n'est ni expliquée ni comprise d'un point de vue scientifique. En fait, le fait que la conscience existe est un postulat purement empirique, comme il en existe beaucoup en science, et c'est même ce qui nous permet d'en parler. Pour le dire simplement, c'est parce que nous sommes conscients que nous nous posons la question de l'origine et des altérations de la conscience. De quoi retourner la tête des esprits les plus pragmatiques. Et comme dirait mon pote albanais, bonne chance. Et c'est là qu'un pont est possible entre l'analyse d'un état altéré de conscience et l'expérience vécue de cette altération. Parce que si la science souhaite réellement comprendre les mouvements de la conscience, elle doit intégrer l'expérience subjective. En fait, la nature a si bien fait les choses qu'il y a un fossé entre le monde matériel et la sensation du monde matériel. Alors si nous voulons vraiment comprendre, nous sommes obligés, en tant qu'esprit curieux, explorateur de conscience, d'intégrer évidemment nos différents ressentis. Et finalement, peut-être que ce que vous sentez déjà intuitivement ne sera prouvé par la science que dans 10 ou 20 ans. Par exemple, si vous observez un dauphin, même si vous le décrivez parfaitement, même si vous comprenez toutes ses aptitudes, et si aucune propriété de son organisme ne vous échappe, vous n'aurez jamais la moindre idée de ce que c'est que d'être un dauphin. Vous ne parlerez jamais la langue des dauphins. Vous ne sentirez jamais le monde à travers les sensations d'un dauphin. Alors au fond, vous n'aurez jamais la moindre idée de ce que c'est que d'être un dauphin. La vie des dauphins vous restera jamais mystérieuse. Et ce sera la même chose pour tous les êtres. Au milieu de la montée de la sous-culture New Age, Stanislav Grof et d'autres ont formé le nouveau domaine de la psychologie transpersonnelle, qui a souligné l'importance de l'expérience humaine individuelle, la validité de l'expérience mystique et spirituelle, la réalité de l'interconnexion entre soi, les autres et le monde, et la valeur du potentiel d'auto-transformation. Autrement dit, il y a une nécessité pour la science de tenir compte de l'approche empirique de la conscience. Et les recherches d'Abraham Maslow ont contribué à la dépathologisation des états altérés. Certaines expériences spirituelles, religieuses ou mystiques pénibles étaient alors considérées comme des dysfonctionnements psychiques ou des pathologies si elles étaient sorties de leur contexte, ce qui a nécessité une refonte des classifications. Ce qui ne manque pas de nous rappeler ici que les modèles de compréhension peinent souvent à s'accorder avec la complexité et les nuances du réel. Alors pour tout ce qui est relatif à la conscience, nous ne faisons que tenter de comprendre. Et même tout ce que je partage avec vous dans cette vidéo pourrait être réévalué en fonction de l'amélioration de cette compréhension. Voici un classement des états altérés de conscience selon leur mode d'induction. Et selon Vettel, il en existerait 5. Numéro 1, les états altérés de conscience spontanés. Cela comprend les états de somnolence, les rêves éveillés, les états hypnagogiques, les rêves, les expériences de mort imminente, les sorties de corps, enfin tout ce qui apparaît de manière spontanée et non contrôlée. Numéro 2, les états altérés de conscience physiques ou physiologiques. Cela comprend les conditions environnementales extrêmes, pression, température, gravitation, le jeûne ou la privation de nourriture, l'activité sexuelle et les orgasmes, et toutes les modifications de la respiration. Numéro 3, les états altérés de conscience psychologiques. Et cela comprend l'isolation sensorielle, la transe cognitive, la transe chamanique, la relaxation, la méditation, l'hypnose, les méthodes de biofeedback, etc.
En numéro 4, on retrouvera les états altérés de conscience pathologiques qui comprennent entre autres les troubles psychotiques, les lésions cérébrales, le coma, les états végétatifs, l'état que l'on appelle de conscience minimale, l'épilepsie, etc. Et en numéro 5, on va retrouver tous les états altérés de conscience induits de manière pharmacologique, c'est-à-dire par l'intermédiaire de psychotropes comme les psychédéliques, l'alcool, les médicaments, les plantes, etc. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ce classement, c'est que 3 de ces modes d'induction peuvent être actionnés de manière volontaire. Quand on parle par exemple de physique ou de physiologique, il est possible de modifier votre respiration pour activer un certain état de conscience. Au même titre que dans la catégorie psychologique, il vous sera possible de créer par vous-même une transe, d'entrer en pratique de méditation ou de voir un hypnotiseur pour rentrer dans un certain état d'hypnose. Tout comme il vous sera possible d'entrer dans la voie des états altérés de conscience avec un levier pharmacologique, en utilisant par exemple une plante ou des substances psychédéliques. Tous les états altérés de conscience ne sont pas forcément souhaitables. L'ivresse générée par l'alcool, l'épilepsie ou le coma, a priori, ne sont pas souhaitables. Par contre, certains états induits par l'hypnose, l'auto-hypnose, la relaxation, la méditation, la transe cognitive, la respiration ou la consommation de psychédéliques dans un cadre thérapeutique s'avèrent émotionnellement, physiquement, psychologiquement et donc médicalement intéressants. Certains états permettent d'accompagner le patient vers une résilience plus profonde, de comprendre l'origine de leur souffrance et d'entraîner l'esprit à créer sa propre médecine. Les états d'hypnose, par exemple, permettent une appréhension sous un angle différent de tout un ensemble de troubles psychologiques, émotionnels et même physiques, puisque dans certains cas, on peut réussir à enlever la douleur. Et ce qui est intéressant, contrairement aux idées reçues, c'est que ce n'est pas l'hypnotiseur qui fait le travail, mais bien le cerveau du patient. On a aussi constaté que la transe cognitive permet de favoriser une reconfiguration de la connectivité entre certaines régions du cerveau, qu'elle stimule la créativité, augmente la capacité du champ de conscience à traiter une grande quantité d'informations simultanément, et peut aussi enclencher un processus de guérison lorsque c'est nécessaire. L'un des exemples intéressants du déploiement de l'intelligence du corps pendant un épisode de transe cognitive est le cas de Francis Tolel qui, à la suite d'un cancer, était bloqué du bassin et lors de son premier épisode de transe, son corps s'est mis à produire des mouvements très spécifiques qui, par la suite, ont grandement contribué à une amélioration. On fait des sons aussi, hein. Et voilà, vous voyez le bassin ? Alors qu'il est partiellement paralysé. Et là, on pourrait se laisser tenter de croire qu'en fait, c'est réservé à une élite et que tout le monde ne peut pas rentrer en transe. Mais c'est faux. Les dernières recherches de Corinne Sombrin ont contribué à démontrer que la majorité des gens, en fait, pourraient très facilement rentrer en transe, et que ce serait même une aptitude de l'esprit humain. D'autres pratiques, comme la méditation ou la relaxation, peuvent induire des états altérés de conscience, et apprendre à les maîtriser au quotidien représente un enjeu de santé mentale, émotionnelle et physiologique, que les sciences et la médecine moderne ne peuvent plus ignorer maintenant. Alors si vous êtes dans une démarche vous incitant à vous dépasser, ou si vous cherchez à retrouver un équilibre émotionnel ou psychologique, voire à guérir, l'exploration des états altérés de conscience devrait être un chemin évident pour vous. Dans le prochain épisode, je vous propose de découvrir un moyen, une méthode fascinante et automatique pour induire des états altérés de conscience. C'est presque comme si on appuyait sur un bouton. Et d'ici là, je vous invite à me rejoindre par mail parce que les abonnés au mail recevront des informations avant même le lancement de la prochaine vidéo. Alors à tout de suite dans les mails. A été apporté pour essayer de changer la constitution de la constitution. Tu te trompes, mon cher ami, tu te trompes. Ça n'est pas exactement ça. Sois précis, Damien. Sois précis. Une action consciente ait lieu pour changer la constitution de l'état normal. Or, il est possible de vivre un état altéré de conscience sans même l'avoir décidé. Comme ça. État modifié de conscience. Hop, c'est parti.